Qu'est-ce qu'il y a? Hé, y a écrit quoi, là, sur ton panneau? C'est quoi le prochain opéra? Attends, je regarde. Oh, cool! Tosca de Puccini! Hein? Tosca quoi? Tosca, rappelle-toi. C'est l'opéra que la Callas et Pavarotti ont interprété. Ah oui, je vois. Non, ça me dit rien. Ça parle de quoi? Mais si, c'est l'histoire passionnelle d'une cantatrice folle amoureuse d'un peintre, mais aussi terriblement jalouse, qui va tout faire pour l'aider lorsque celui-ci est accusé de trahison. De trahison? Mais non, il a trahi qui? Bah en fait, il a caché chez lui un prisonnier, et quand l'affreux policier Scarpia s'en rend compte, il veut lui faire la peau. Bref, le grand méchant de l'histoire, quoi. Waouh, dur. Et après? Alors après, il y a tout un tas de péripéties dignes des plus grandes intrigues. Des jalousies, des mensonges, des manigances, des trahisons, même des meurtres. Bref, un opéra, quoi. Vous oubliez qu'il y a l'amour aussi. Ah oui, c'est vrai. À la fin, Tosca et son peintre Mario parviennent... Spoiler alert! Oupsi! Désolée. Mais c'est quand? Le 3 juin à 18h, et ce sera chanté par le chœur de l'opéra avec l'Orchestre National de Lille. Il y aura une diffusion gratuite et ce sera visible et accessible pour tous. Ah ouais, super, génial. En tout cas, c'est sûr, si vous restez de marbre devant Tosca à l'opéra, c'est que vous avez un cœur de pierre. Franchement, ta blague là, je suis pas sûre, hein.